Bienvenue à tous dans cette méditation sur l'expérience sonore. Installez-vous confortablement dans la position de votre choix, en posant l'intention d'être pleinement présent à cette pratique sur l'expérience sonore. Prenez le temps de rentrer dans cette position. Fermons les yeux si c'est possible pour vous. Peut-être ressentant un relâchement des épaules, des mâchoires, ou peut-être autre chose. À présent, l'invitation est de rassembler toute votre attention sur les mouvements du corps induits par votre respiration. Peut-être percevez-vous un léger va-et-vient du vêtement sur votre peau. Prenant le temps maintenant d'être présent à cette respiration du moment sans chercher à la contrôler ou à la modifier. Ressentant peut-être l'air qui entre à l'inspire et qui sort pendant l'expire. Et prenons quelques respirations ici, en pleine attention. Maintenant, amenez toute votre attention à l'univers sonore qui se déploie autour de vous. Les sons qui viennent de dehors, de l'appartement des voisins ou d'une autre pièce de votre appartement. Posez-y une attention curieuse. Curiosité aux qualités acoustiques des bruits et des sons, curiosité au rythme, au silence vaste dans lequel émergent tous ces événements sonores. Notez les silences, le va-et-vient des bruits. Et dans cette exploration, tentez de ne pas choisir ni d'éviter quoi que ce soit. Cultivez votre présence au cœur de cet univers sonore qui se déploie autour de vous, sans chercher à analyser ou à interpréter ces sons. Dans une ouverture à toute manifestation sonore, quelle qu'elle soit. Ici, aucun son n'est à retenir ou à fuir. Si vous êtes happé par une pensée,
Que se passe-t-il dans votre expérience sonore du moment? Revenez à l'attention au son autant de fois que nécessaire. Là est la pratique de la pleine conscience. Se rendre compte que l'esprit s'est échappé de l'exploration des sons et y revenir avec gentillesse. Maintenant, je vous propose de quitter les sons et bruits extérieurs pour nous tourner vers notre univers sonore intérieur. Le son de la respiration, les gargouillis digestifs, quoi que ce soit, y compris le silence. Observons tout cela, tous ces sons intérieurs, instant après instant. Et si un son extérieur tente d'interrompre ce travail, notez-le et ramenez l'attention du mieux que vous pouvez au son intérieur. Je vous invite à présent à tourner votre attention sur l'interface située entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, l'invitation est de naviguer entre l'expérience sonore intérieure et l'expérience sonore extérieure, en explorant la manière dont les sons extérieurs et intérieurs se déploient instant après instant. Chaque moment est un moment unique. Et chaque expérience du moment est elle aussi unique. Chaque moment de vagabondage fait partie de la pratique de la présence, comme les sons, les bruits et les silences, la conscience est toujours accessible. Bientôt, cette pratique de méditation sur les expériences sonores va toucher à sa fin. Souvenez-vous de ce moment de présence dans l'ouverture et la fluidité, naviguant entre nos événements intérieurs et le monde, moment après moment. Prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur le canal Delta 7 pour une nouvelle pratique de méditation pleine conscience.